Salut à tous, c'est basketalbumifrance.com. Nous sommes samedi et comme tous les samedis, eh bien c'est Docteur Terreur pour l'instant. Alors, Docteur Terreur, on m'a demandé bah, de changer un petit peu de meilleurs ZM, donc je vais vous faire un petit tank carbo que je vais appeler le Carbank. Pas faire Cartank ou le Kank. Alors, je vous dis tout de suite, ça va pas aller très très loin puisque mes carbos sont niveau 1, ça n'a pas bougé, et mes tanks sont niveau 8 en amélioration pour le niveau 9. Hein. Donc bah, aujourd'hui ils seront niveau 8. Alors, je vais me faire mes petits boosts comme d'habitude, une petite santé troupe, une petite dégâts des troupes et une petite prime de victoire. Une petite primounette, ce qui va nous permettre d'attaquer le Docteur Terreur dans les meilleures conditions. Alors j'ai posé la question sur Facebook et sur Twitter. On m'a dit là encore que ce Docteur Terreur d'aujourd'hui était pas forcément évident évident. Donc on va vérifier ça tout de suite. Alors, je crois que c'est la deuxième fois que j'attaque le Docteur Terreur avec des carbos de mémoire, avec des tanks. Je sais pas, je crois que c'est peut-être la première fois, du moins dans une vidéo YouTube. Voilà, je teste. Alors, le combo entre les deux, évidemment, là c'est la première fois que j'attaque. Donc, c'est une grande nouveauté pour moi. Je vais sûrement faire des tas d'erreurs stratégiques. Mais l'important, c'est que... Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors. Premier, évidemment, c'est facile. Alors, le souci ici, qui est un souci qui est bah, bien sûr inhérent hein, à l'utilisation de tanks et de carbo, c'est qu'il faut garder un maximum de points de canonnière pour pouvoir faire débarquer toutes les unités. Donc, c'est 12 points pour faire débarquer chaque carbo, donc ça fait déjà 48 points. Plus, c'est combien? C'est 2 points, non, 4 points pour faire débarquer tous les tanks. Je vais vérifier ça avant de dire une bêtise. J'utilise tellement peu, je sais même pas le nombre de points qu'il faut. Pourquoi je n'ai plus que 3? Alors. Donc c'est... oui, donc moi j'ai 3 carbos. Ah oui, tiens, je pensais que j'en avais fait 4. Non, j'en ai fait que 3. Et 4, 4, 8, 12, 16, 20. Donc il me faut en tout 56 points de canonnière pour faire tout débarquer. C'est pas forcément évident, évident. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire débarquer en premier. Et ensuite, je vais utiliser ce qui me reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors au début c'est pas un problème puisque quand on commence avec le niveau que j'ai on peut détruire pas mal de disons pas mal de bâtiments ennemis hein, ne serait-ce qu'avec les bombes et les artilleries, enfin toute la canonnière. Par contre au bout d'un moment ça va commencer à se corser. Et on avait eu ce même souci dans une vidéo que j'avais fait du Docteur Terreur avec les fameux Kuka. Donc les Kuka, c'était Carbo et Zuka, où je crois cette fois-ci j'avais 4 Carbo, donc ça faisait 48 points à chaque fois à laisser de côté pour pouvoir débarquer tous les Carbo. Donc là c'est encore pire finalement, puisque j'ai tous les tanks. Et, bien sûr, je n'ai aucun infirmier, donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse gaffe, parce que dès que je perds une unité, enfin du moins dès qu'une unité prend des dégâts, bah, c'est fichu après. J'ai rien pour me rattraper. Et ouais. Allez. Alors, ça donne quoi? Donc en gros, le but ici, c'est de balancer les carbons en premier, qu'ils se prennent toute la sauce, pas trop de sauce de canon si possible et de super canon, parce qu'ils sont pas non plus immortels, indestructibles on va dire surtout, mais voilà, et en gros ils peuvent aller un petit peu au charbon et se prendre tout, et après on envoie la vague de tanks qui elle, est chargée de, voilà, de générer une vague encore, une vague de tir par derrière. C'est très important.
Allez, Docteur Terreur, niveau 5. Alors, Docteur Terreur, niveau 5, il y a des super canons. C'est gentillet. Voilà, ça c'est bon. Alors, pendant qu'on attaque, bah, je vais peut-être vous mettre le centrer. Pendant qu'on attaque, bien comme d'habitude, hein, je vous invite à venir sur le Twitter boombeachfr.com, à venir partager notamment sur le Docteur Terreur, hein, pour un petit peu nous dire ce que vous en pensez. Pareil sur le Facebook, je pose à chaque fois une petite question, je fais un post dédié. Donc, vous pouvez venir bien dire le niveau du Docteur Terreur que vous avez atteint, si vous avez trouvé ça facile, pas facile. Quel combo vous avez utilisé, voilà, ça c'est des données très intéressantes d'une part pour moi et d'autre part bien, pour tout l'ensemble des joueurs qui, débutants ou pas, qui ont envie d'un petit peu de savoir comment les autres joueurs ont joué. Donc n'hésitez pas à venir sur le Facebook BoomBeachFR ou sur le Twitter BoomBeachFR.com cette fois-ci. Les liens sont dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et bien sûr sur notre forum, boombeachfrance.com. Blog forum. Alors on en est au combien? Je sais même pas, au 5, au 6. On est déjà au 6. Alors. Fasciné moi par ces flammes, je suis fasciné à chaque fois. À chaque fois que je fais une vidéo là-dessus, je dis oh, c'est beau, bah c'est vrai. Je le pense, je trouve que c'est assez sympa. Bon, je peux me mettre là-dessus directement. Alors vous l'avez vu hier dans une vidéo que j'ai mise sur la chaîne YouTube, je parlais d'une d'une annonce qu'a fait Supercell sur une éventualité, je reste toujours au conditionnel, hein, une éventualité d'un nouveau type d'événement. Donc maintenant on n'aurait plus deux Docteurs Terreur par semaine, on en aurait 6 d'une certaine manière, plus évidemment 6 de 20 étapes, mais 6 de 7 étapes. Donc il y aurait en fait un espèce de dérivé du Docteur Terreur du mercredi et du samedi, divisé à chaque fois en 2 jours de 7 étapes, et puis un nouvel événement qui arriverait. Alors ce que je dis, c'est que je sais pas trop si c'est un Docteur Terreur ou un événement, une autre personne, un nouveau personnage qui arriverait dans Boom Beach, hein, pourquoi pas. Ça permettrait un petit peu de renouveler. Mais voilà, en tout cas, c'est la grosse interrogation que l'on a. Donc si vous avez, je répète hein, ce que je dis dans l'autre vidéo, mais si vous avez des informations là-dessus ou même des idées, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo, donc celle d'hier, celle de samedi, voilà, pour donner un petit peu votre ressenti sur cette nouvelle qui, à mon avis, va faire beaucoup parler d'elle, c'est même sûr, parce que là on va remettre à plat tout, enfin pas remettre à plat, mais du moins on va tout chambouler. Et bah des joueurs voilà hein, c'est des petits êtres qui sont bien dans leurs chaussons, et quand on bouscule tout, généralement bah, y en a plus l'un qui crie au malheur, disant oui pourquoi on a changé, on était bien comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est « Ah bah oui, il faut changer. » Donc voilà, ça va, je pense, créer pas mal de conversations intéressantes. Je l'espère. Allez, donc, bon, j'ai bien sûr perdu pour l'instant aucune unité. Oh bah alors là, effectivement, ça se corse. Il y a déjà beaucoup plus d'unités. Donc moi, j'enlève toujours les super canons. Bon, les canons restent très convenables. Je vais enlever cette crotte-là que j'aime pas. Voilà, voilà. Je vais enlever un. Deux, allez, même celui-là. Et je balance. Donc toujours me garder par derrière une petite cinquantaine de points de canonnière pour pouvoir débarquer tranquillement.
pendant ça s'éparpille. Hop, venez tous ici. J'ai le hockey en même temps. Alors là j'attaque sur le côté droit, une espèce d'invasion de tanks, de carbo. Je vais essayer de me glisser en haut à droite quand ils auront terminé cette mitrailleuse. Voilà qui est fait, je me glisse en haut à droite. Je vais péter la dernière tour de sniper qui est possiblement peut faire le plus de dégâts, évidemment entre guillemets. Et puis voilà, ils font le ménage. Ici, ils terminent le dernier lance-roquette. Je pointe avec un lance... avec une fusée éclairante, je pointe le QG. Et le tout est terminé, ça rime. Et voilà. Niveau 8 du Docteur Terreur, fait. Je vais essayer d'arriver au niveau 10 avec mon combo. Oh, je devrais y arriver quand même. Espérons. Oh, il y a des chouettes pierres précieuses. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de tours de sniper. On a deux. Alors ça, je vais les enlever. Oh bah tiens, j'ai mal visé. Peu importe. Ensuite... ça c'est bon. Alors l'autre là-haut, oh, je pense pas qu'il va me tirer dessus. Bon, j'ai encore un petit tir à... Il y a beaucoup de mines. J'ai pas regardé le niveau des mines, j'aurais dû. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout débarquer. Et on y va. Parler, je me concentrais pour pas faire de bêtises et surtout pour être hors de portée de ce canon là qui mine de rien m'a quand même fait quelques petits dégâts à mon carbo. Donc voilà. Bon après vous voyez je me prends quand même pas mal de tirs de la part de lance-roquettes mais c'est pas très grave évidemment. À ce niveau là ça reste très correct. C'est des lance-roquettes qui sont au niveau pas grand chose, niveau 8-9 peut-être. Même pas. Niveau 5 ou 6. Bon. Eh bien, on avance, chers amis. Et on arrive au niveau 10. Le fameux niveau 10 du Docteur Terreur. Alors, ah bah, niveau, ah, ça j'aime bien ce genre de niveau. Niveau où il y a plein de bâtiments. Ah là, je suis dans le... je suis dans le caca. Bah non, pas du tout. Je suis pas dans le caca du tout. Puisque, ici, la chose qui m'embête, c'est le petit quai là. Qui est assez solide. La vache. Mais tu as payé, oui. Oh, peu cher. Alors ça... bon Dieu, le nombre de tirs d'artillerie pour le détruire, ce gars. Assez incroyable. Allez, tout le monde débarque. Alors, bah je détruis un petit peu toutes les tours de sniper qu'il y a. Alors j'ai entre temps un lance électrobombe qui me tire dessus, donc je vais me décaler à droite. Et une fois que j'ai décalé, je vise le QG. Comme ça je suis sûr d'être hors de portée de tout le monde. C'est sympa cette mission, ça c'est ce qu'on appelle une mission de nez. Tiens, j'ai oublié un tank en plus, je t'ai même pas rendu compte. Deux tanks. C'est toujours ça de prix. C'est comme une fois j'avais oublié.
Ah bah c'était sur justement sur Docteur Terreur Kuka. Sur la dernière mission, j'avais quasiment gagné, je crois que ça devait être le niveau, je sais pas, 13, 12. Et en fait j'avais laissé une barge de Zuka que j'avais pas vue. Qui m'aurait fait, je pense, gagner cette mission. Je me suis pris des commentaires. Ah, j'ai perdu de la crédibilité, hein. Pour peu que j'en ai un petit peu. J'en avais un petit peu. Allez. Bon, bah, niveau 10. Impeccable. Donc, j'ai atteint mon fameux niveau 10. Alors, le niveau 11. Mais c'est pas possible. Alors, je vais pas faire ça. J'ai la fausse tendance. C'est pas une fausse tendance, c'est une vraie tendance. Pas faire la reconnaissance. Alors, lui, la portée. Très bien. Donc, comme ça, je vais pas aller tout de suite à gauche. On a quoi? Alors, les fameuses mines. Elles sont niveau 16. Donc, elles sont. Oui, elles sont maxées. Oui. Les super mines. Hein. Les mines. Alors, par contre, là, il y a des mines un petit peu tous les niveaux. Bon, ça, c'est pas très grave. Il y a un canon niveau 4. Bon, ça devrait aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter les super canons. Celui-là aussi, parce qu'ils ont tous des super. C'est normal, hein, des super canons. Donc, ils ont des grosses zones de tir. Des grosses portées de tir plutôt. Ouais, écoute, on va péter les super canons et on y va. Ça devrait aller. Je croise les doigts. C'est parti, mon kiki. Et d'une. Et d'un plutôt. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc le petit canon qui est là ici. Oh. Merde. Ah là là là. Quel clan, je te jure. J'ai presque envie de la refaire, tiens. Allez, je vais la refaire. C'est pas grave, j'ai perdu 10 000 d'or, mais. On va pas en faire une. J'ai cliqué bêtement. Enfin, j'ai tapoté bêtement. C'est 16 000 d'or que j'ai perdu. Alors, je recommence. En faisant gaffe de pas cliquer. Voilà. Voilà, je sélectionne un autre truc au cas où. Alors, lui. Voilà. Non pas que ça soit des super canons qui me fassent réellement peur. Mais disons que je préfère les avoir détruits que les avoir vivants. On ne sait jamais. Dans la masse. Alors il me semble que. Ouais, il y a un carbo que j'ai pas pu dérouler. Voilà, c'est parti. Alors, le gros danger aussi, du moins l'inconvénient d'avoir. Comme ça, pas mal de. Parce que ça fait du boucan, je sais pas si vous entendez, mais ça fait du boucan les canons, les flammes, les tirs d'obus, etc. Donc ça, ça fait un gros bordel. Et si vous voulez, on a tendance un petit peu à plus savoir où tout regarder. Et là, il y a pas mal d'infos, on dit alors là, ça tire pas, etc. Donc du coup, on a tendance un petit peu à. Peut-être à oublier certaines unités. En se concentrant sur une seule, on se dit ah bon, ah, je vais suivre mon tank parce que là il est dans une situation de danger, etc. Donc on suit une unité en particulier, puis en fait on en oublie une autre qui est allée se balader ailleurs ou une autre qui est en train de se faire laminer. Donc ça c'est un petit peu le danger. Donc ça, on a la tête tellement partout que je vais fermer son clapet là. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu le. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de bâtiments à détruire. Mais quand il y a beaucoup de bâtiments, ça tire, ça envoie des missiles, des obus, des machins, des trucs. Du coup, l'esprit est un petit peu perdu. Faut rester en fait très concentré. Vous voyez, mine de rien, j'ai un tank dans toute la somme là qui a perdu près de la moitié de sa vie. Et j'ai même pas vu qui lui a pété la moitié de sa vie. Donc, petit danger supplémentaire d'un tel combo. Il y a que des cristaux là. Je sais pas combien de cristaux je suis. Ouais. Combien j'ai gagné 4 cristaux, je crois, depuis le début du Doc Terreur. Il est sympa ce doc, hein. Alors, un truc que je trouve excellent, c'est la tour de sniper ici. Niveau 6. Bon, alors que celle d'à côté, niveau 13. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre celui-là? Là encore, c'est pas mal. Alors, les tours de sniper, à mon avis, bon, niveau 16. Alors, par contre, ils sont boostés. Quasiment du. Ça doit être du plus de 90%, un truc comme ça. Là, bon, les mines. Bon,
celui-là, je vais pas le détruire parce que comme je vais être directement dessus en débarquant sur la plage, il suffit que je lui fasse un petit freeze et puis c'est bon, il s'en occupe. Donc je vais pas utiliser des points de canonnière pour le détruire. Par contre, celui-ci, peut-être que je vais le détruire, mais surtout, je vais commencer principal par détruire les lances. Pardon, les super canons. Les lances, rien du tout, les super canons. Alors, je vais détruire les trois. Ah! C'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on fait débarquer, on a l'impression d'être de plus en plus puissant. Allez! Alors voilà, donc je vais faire débarquer tout le monde à droite. Non, allez, allez, tout le monde à droite, pas mal. Donc je vais aller tout le monde à droite. Puis comme ça, ils vont s'occuper de détruire le reste. Ça sert à rien que je commence à détruire ce qu'il y a en dessous ici. Autant que j'aille directement près de. Près du QG, n'est-ce pas? Allez, faites-vous plaisir, les amis. Tirer sur un pot portant. Ça qui dit le jeu est pas très réel quand même. Parce qu'un canon à pot portant comme ça sur un tel blindé, c'est peut-être quand même censé le détruire au bout d'un moment. Bon. Bon bah voilà le niveau 12. On y arrive. Niveau 13. Alors, niveau 13. Alors là, ça se gâte là. Ça se gâte dans le sens où il est un petit peu plus loin déjà. Donc je vais devoir passer sur plus de bâtiments. Il y a un super canon ici. Bon, ça reste des niveaux quand même assez corrects pour l'instant de bâtiments. J'aime pas trop passer au milieu, j'ai l'impression d'être en... J'aurais même tendance à Esward à vouloir détruire tout ça. C'est peut-être un petit peu fou ce que je vais faire. Si j'aime pas passer au milieu, surtout avec les carbos qui ont tendance à un petit peu aller partout, si je passe au milieu et que je dis pas directement d'aller sur le QG, parce que j'ai pas envie, bah voilà, les carbos, il y en a un qui va partir à gauche, il y en a un qui va partir à droite. Donc ce que je vais faire, allez, on va essayer comme ça, je vais aller détruire tous ces trucs là. Donc je vais débarquer tout le monde. Parce qu'il n'y a pas finalement de bâtiments défensifs qui sont très mortels là. Ça reste des trucs très corrects. Ça je vous le dirai dans quelques minutes. Il y a lui là. Alors vous voyez, ça fait une espèce de vague qui détruit au fur et à mesure. J'ai pas encore eu beaucoup de dégâts sur mes unités. Quel pouvoir de destruction, c'est incroyable. Voilà. Et là il y a mine de rien. Il y a mon carbo là qui a plus qu'un tiers de vie. C'est pas très grave mais. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a peut-être ce petit super canon qui pourrait me tirer dessus, donc je l'ai quand même détruit. J'ai envoyé un petit fumier parce que si vous avez vu mes carbos là, ils se sont pris une sacrée branlée. Donc il leur reste quoi, même pas un cinquième de vie. Donc je préfère les protéger et laisser mes tanks les détruire par derrière. Voilà. Là je suis tranquille. En théorie j'ai rien perdu.
c'est c'est toujours le même problème hein, que je dis à chaque fois, c'est l'esprit un petit peu feu follet de des carbos. Bon bah hey, on sera quand même arrivé au niveau 14. Alors le 14. Ah, c'est la première fois qu'il y a un super canon qui est déjà un petit peu plus costaud. Ça reste, je pense, encore un peu correct. Beaucoup de mines, surtout beaucoup de super mines. Donc là, faudra quand même pas les négliger. Allez, on va y aller. Ce que je vais faire, c'est que... En plus, ils sont boostés. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, par là-bas. Aïe 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 aïe. What cha cha. Aïe aïe aïe. Je me suis pris une super mine sur un tank là, ça fait pas du bien. Ouais, j'ai perdu 3 tanks. Ah là là, je suis deg. Je suis deg, les amis. Deg. Et le pire, c'est que je les ai perdus à cause de super mines. Ah là 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 là. Ah. Ouais, je suis assez deg là. Ah mais non, je suis con, j'ai rien perdu du tout. Ah non, parce que je regarde les... C'est comme les petites imagettes, elles se ressemblent beaucoup. Je dis, ah merde, j'ai plus qu'un tank, un tank et un tank. Mais non, c'est des scorchés. Non, j'ai rien perdu du tout. Yes. Ah là là, quel débile ce mec. Ah là là, je te jure. Ah, j'ai vraiment cru quoi, j'étais très sincère dans ce que je disais. Tu vois, oh merde, j'ai perdu 3 tanks. Bon, et bah j'ai rien perdu du tout. Et on est au niveau 15 du Docteur. Ah ouais, ouais, ça devient. Oh, j'ai pas fait... j'ai bien fait de pas y aller en RZM, parce que là c'était un petit peu chaud. Surtout. Ouais, bon, enfin je suis pas là pour analyser les RZM, mais là avec tous les mortiers qu'il y a. Oh là là. Bon. Alors là, Charles, ça va être dur hein. Comment je vais attaquer ça? Je vais essayer peut-être faire le tour en haut à gauche. Il y a tellement de bâtiments. Eh, c'est chaud les marrons. Hein. Ouais, faut que je fasse le tour. Là, je peux pas passer à travers. Merde, putain. Non, bah non. Ah, mais si, j'aurais pu le laisser. Non, c'est pas grave. Je vais revenir dessus. Je voulais juste vérifier la portée des super canons. C'est-à-dire notamment celui-ci qui est là. Bon, évidemment, oui, celui-ci qui est là, il va atteindre. Celui qui est ici. Ouais, ce qui m'embête, c'est que les scorchés. Enfin, les scorchés, les carbons ont besoin d'être assez près. Wow, remarque, c'est que du niveau 4. Hein. C'est pas non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas les détruire. Je vais détruire seulement celui-ci et puis celui-ci là-haut. Allez. Toc. Deux bâtiments en moins. Je vais peut-être attendre pour le détruire, au cas où voir ce qui se passe là-haut. Hop, allez bien là-haut. Ils ont tendance à... Et puis j'ai l'impression qu'ils vont plus vite que les tanks en plus.
suis obligé d'envoyer des fumigènes pour pas qu'ils s'éparpillent, pour pas qu'ils avancent trop vite aussi. Ça va être chaud, ils ont tellement tendance à aller partout. Regardez-moi ça. Reviens là, toi. Il y en a un qui est parti en bas. Ah, c'est chaud là. Ouais, ça va être chaud du boulin. Il va se faire exploser la gueule. Voilà, et d'une. Et deux. Ça va être hard là. Bon bah voilà, je peux plus compter que sur mes tanks. Il y en a de moins en moins. Ah, je suis pas certain que ça va passer là. Parce que les tours de fusillés, tours de sniper, bah mine de rien, ils payent pas de mine, mais ils font vachement de mal à mes unités. Ah, ça c'est. Ça diminue comme peau de chagrin là. Si ça passe, j'aurai de la chance. Hein. Ouais, non, ça va pas passer. Bon, je suis quand même assez content parce que je suis allé jusqu'au niveau 15. Pour un premier combo, bah, c'est pas mal. D'autant que mes carbos, je pense que s'ils avaient 2-3 niveaux de plus, ça commencerait déjà à saigner. Pareil pour mes tanks. Donc je promets que je vais vous refaire un combo de la sorte. Vous avez ma promesse. Dès que j'aurai bien amélioré mes tanks et bien amélioré mes carbos, je vous referai un combo. Et je pense qu'on ira plus vite, plus loin même que le niveau 15 du Docteur Terreur. Si jamais d'ici là, ça n'a déjà pas changé. C'est-à-dire qu'on a pas déjà ce système de Docteur Terreur une fois par jour plutôt que deux fois par semaine. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeu et n'oubliez pas de venir partager votre expérience sur le Docteur Terreur en me disant notamment à quel niveau eh bien, vous êtes arrêté. Salut et excellent Boom Beach.